Nouvelle voiture, nouvelle équipe et nouveau championnat. Après 5 saisons en championnat d'Europe Le Mans Series et 3 titres consécutifs dans la catégorie GT1, Patrice Gollard avait soif de nouvelles aventures. À l'aube de la saison 2011, la création d'un tout nouveau championnat d'endurance réservé uniquement aux voitures Gran Turismo a parfaitement répondu à ses attentes. Endurance et voitures de rêve sur les plus beaux circuits d'Europe, c'est le Blancpain Endurance Series 2011. La présentation du championnat sur la place des Invalides à Paris est le point de départ d'une grande aventure d'endurance GT. Et les plus grands constructeurs de voitures d'exception ne s'y sont pas trompés. Tous ont homologué leurs voitures dans cette nouvelle catégorie GT3. Ferrari 458 Italia, Porsche 997 GT3R, Aston Martin DBR S9, Audi R8 LMS, Corvette Z06, BMW Z4, Dodge Viper, Ford GT40, McLaren MP4 12C, Mercedes SLS AMG, Lamborghini Gallardo LP600, Nissan GT-R. Jérôme Polican, avec qui Patrice a participé aux 24 heures du Mans chez Luc Alphand Aventure, lui propose d'intégrer son team Sofrev ASP et d'en partager le volant avec lui et le jeune Julien Jousse, récemment intégré à l'équipe Escarolo Sport. Nos trois pilotes vont se partager le volant d'une voiture rouge mythique, la Ferrari 458 Italia. La dernière née des ateliers de Maranello est une arme redoutable, avec son V8 de 580 chevaux et sa boîte séquentielle pneumatique avec commande au volant. Cette Ferrari se pilote comme dans un jeu vidéo, elle porte le numéro 10. Une journée d'essai sur le circuit de Navarra en Espagne permet à toute l'équipe de prendre ses marques avec la belle italienne, même quelques soucis de jeunesse perturbent ce test. Si la Ferrari est très rapide, elle manque encore de constance. Des teams de référence, des pilotes pros, des voitures magnifiquement préparées, le Blancpain Endurance Series est un vrai succès et pas moins de 35 voitures sont au départ pour ce premier round sur l'Autodromo di Monza. Monsieur Jean-Pierre Julien, fondateur du groupe Atalian, fidèle annonceur de Patrice Gollard, a fait le déplacement en Italie. Patrice réalise le 6e chrono de sa série qualificative, mais la voiture a des soucis d'ABS et se retrouve finalement en 12e position sur la grille de départ. L'ingénieur d'équipe, Paul Etienne, désigne Jousse pour prendre le départ et Julien entame une très belle remontée. Le pilote tropézien ramène la Ferrari à la 4e place au prix de beaux dépassements. Patrice poursuit le travail avec des chronos réguliers, mais les places sont chères et les bagarres intenses dans le peloton. Il n'est pas rare de faire partie d'un groupe de 5 ou 6 voitures qui veulent toutes garder leur position coûte que coûte. Jérôme Polican prend le dernier relais, il est en passe de décrocher une superbe 3e place quand, à 260 km/h, au freinage de la première chicane, il crève, le pneu arrière droit explose, l'envoyant 500 mètres plus loin dans le bac à gravier. C'est la consternation dans le stand. Le premier podium de la saison s'envole, nos trois guerriers devront se contenter des 8 petits points de la 6e place. Parallèle à son programme d'endurance, les organisateurs du championnat Race Car Euro Series font appel à Patrice Gollard afin qu'il pilote une race car pour la première manche à Nogaro. L'occasion de rencontrer un autre membre du team Sofrev ASP, Fabien Barthez. Patrice intègre l'équipe Ores Compétition dirigée par Olivier Pernaud, qui n'est autre que le fils de Jean-Pierre Pernaud, le célèbre présentateur du JT sur TF1. Ce championnat réunit 30 voitures NASCAR à la sauce européenne, propulsées par des moteurs V8 5 litres de 450 chevaux. Notre canet pilote la Ford Mustang numéro 23 et fait équipe avec une star du petit écran, l'animateur vedette Christophe de Chavannes. Des problèmes mécaniques et une transmission cassée vont empêcher nos deux compères de s'amuser dans la première course. Mais une belle remontée va leur redonner le moral dans la seconde. Sous la pluie, le Normand accroche la 3e place sous les yeux de son fils Victor, venu pour l'occasion. Une expérience sympa avec des dépassements virils mais sportifs, une voiture puissante mais rustique, Patrice s'est bien amusé. Too much.
But the shadow still remains since your descent, your descent. Retour en endurance et en Espagne dans la région de Navarre. Navarra est un nouveau circuit court et très sinueux. Les dépassements sont difficiles, il fait 28 degrés, le spectacle promet d'être chaud. Le team Sofrev ASP progresse en performance et le trio de pilotes décroche une 5e place en qualification. Les Ferrari semblent être très rapides sur ce tracé avec 4 italiennes aux 6 premières places. Julien Jousse prend à nouveau le départ et maintient sa position. Bloqué par son coéquipier sur l'autre voiture du team, il trouve finalement l'ouverture à la 35e minute. Mais un premier safety car rentre en piste suite à un crash. Julien en profite alors pour rentrer au box et passe le relais à Patrice Gollard. Reparti 13e, un second safety car fait son apparition quelques minutes plus tard suite à un incendie. Patrice est désormais 11e. Lors du restart, il double deux Lamborghini, une Aston Martin et la Porsche victorieuse en Italie. Pointant 6e, il réalise les mêmes chronos que les leaders. Patrice Gollard revient fort sur la BMW Z4 et la déboîte au 43e tour. Il continue sur sa lancée, signe régulièrement les meilleurs temps et remonte à grande enjambée sur l'Audi R8 WRT. À son contact, Patrice met la pression et profite de son arrêt au stand pour s'emparer de la 4e position. Après un superbe relais qu'il a vu remonter jusqu'à la 3e place, Patrice laisse le volant à Jérôme Polican. Mais au moment de redémarrer, la première vitesse ne s'enclenche pas. La voiture est rentrée dans le stand pour un problème de capteur de boîte de vitesse. La réparation dure, le coup est aussi très dur. 10 tours perdus, c'en est fini des espoirs de podium. Jérôme Polican va cravacher pour regagner quelques places et franchir la ligne d'arrivée en 10e position. Malgré la rapidité de la Ferrari, le professionnalisme de l'équipe et la compétitivité des trois pilotes, la Poisse sanctionne à nouveau un super résultat qui se profilait. Habité en Normandie, je suis plutôt typé 24 heures du Mans, mais cette année, les 24 heures de Spa sont intégrées au championnat. Et la seule fois que je suis venu ici, on a fait deuxième avec Sébastien Bourdet en 2002. Donc j'espère qu'on pourra gravir une marche ce week-end, mais ça risque d'être très dur parce que la concurrence est diabolique. Tell me, baby, are you ready? Les 24 heures de Spa-Francorchamps sont la tête d'affiche de cette série internationale réservée uniquement aux voitures GT. Cette 63e édition s'annonce comme la Coupe du Monde des constructeurs. La bagarre sur la piste risque d'être chaude, tout comme le concert public du célèbre DJ Bob Sinclair, arrivé en hélicoptère sur la piste pour l'occasion. 60 engagés devant 60 000 spectateurs et plusieurs stars de la Formule 1 comme Johnny Herbert, Stefan Johansson, Mark Blundell ou encore Eddie Cheever. Jérôme Polican a voulu se consacrer au management de son équipe. C'est donc un autre jeune pilote fougueux qui le remplace en la personne d'Olivier Plat. Jousse, Gollard, Plat, la presse parle d'un équipage très solide et expérimenté. A noter que les points vont compter double pour cette course. La dernière fois que Patrice y avait participé, il avait terminé second en compagnie de Sébastien Bourdet sur une Viper. Une fois les vérifications techniques effectuées, une parade des voitures est organisée dans les rues de Spa. Les fans approchent ainsi leurs idoles. Puis les choses sérieuses commencent avec les qualifications qui se déroulent sur une piste humide qui s'assèche. Gênés par l'entrée du safety car à 15 minutes de la fin de la séance, nos trois héros doivent se contenter du 22e chrono. Patrice est en charge de prendre le départ et se fraye un chemin parmi le peloton en évitant les accrochages. Lorsqu'il cède le volant, il est déjà remonté 9e. On reste dans la course, on doit être dans les 10 quoi, après une heure, donc ça ne fait que commencer. Hein. La course se poursuit, les relais s'enchaînent et les mécaniciens se contentent de remettre de l'essence et de changer les pneumatiques lors des arrêts. Mais après 18 heures de course, un échappement a cassé et la chaleur a brûlé le faisceau électrique. Les commandes de vitesse gérées par l'électronique ne répondent plus. La mort dans l'âme, la Ferrari numéro 10 doit abandonner.
C'est la troisième course de 24 heures de suite où Patrice Gohlaert doit renoncer. Les mécaniciens ne sont pas récompensés de leur travail, alors que la stratégie d'équipe ainsi que la gestion du trafic avaient très bien fonctionné. Nos trois coéquipiers ont tout donné et se sont toujours battus dans le top 10. Ils étaient sur le podium virtuel au moment de l'abandon et méritaient largement cette récompense. La mécanique en a décidé autrement. Je suis quand même à nouveau déçu, ça fait 3-24 heures de suite que j'abandonne sur pas de mécanique. Mais bon, c'est comme ça, la série des 3 est passée, donc maintenant on se concentre sur l'avenir et le retour à Manicourt pour la suite du championnat en août. Switch up. Switch up. C'est en France et à Nevers-Manicourt que les acteurs du championnat Blancpain Endurance Series se sont donné rendez-vous. Et cette quatrième manche démarre très mal pour Patrice Gohlaert. La commande de boîte de vitesse a lâché pendant la séance de qualification. Nos trois Frenchies vont donc partir 38e et bon dernier, faute d'un temps chrono significatif. Surmotivé par ce problème mécanique, Julien Jousse prend le départ et, le couteau entre les dents, revient en contact des leaders à la fin de son relais. Après une heure de course, il passe le volant à Patrice après un changement de pilote laborieux. Patrice Gohlaert poursuit le travail, mais à 15 minutes de rendre la voiture à Jérôme Polycan, il se fait percuter par un retardataire qui ne l'a visiblement pas vu venir. La Ferrari part en tête à queue et vient taper le mur en béton. Les dégâts sont trop importants pour espérer repartir. C'est un nouvel abandon. Châssis tordu, l'espoir d'un podium s'est envolé, une fois de plus. Nos trois malheureux pilotes n'iront pas à Silverstone pour la finale du championnat le 9 octobre en Angleterre. Suite au choc de Nevers-Manicourt, l'équipe technique a diagnostiqué un changement de coque. Mais l'usine Ferrari n'a livré cette coque que le 7 octobre et 250 heures de travail sont nécessaires pour cette intervention. Les mécaniciens n'étaient donc pas matériellement dans la capacité de faire le travail en temps et en heure. Patrice Gohlaert en a donc fini avec cette saison 2011. Ce nouveau championnat Blancpain Endurance Series a vu la victoire au classement général final d'une Audi R8, bien qu'une BMW ait gagné les deux dernières courses. Après la victoire d'une Porsche en ouverture à Monza, ce sont donc 4 voitures et 4 marques différentes qui se sont imposées. La concurrence est rude et féroce tant les voitures GT3 sont proches en performance. Patrice, son équipe, ses ingénieurs, ses mécaniciens, ses coéquipiers ont tout donné, mais rien à faire. La belle Ferrari rouge est une voiture très rapide, mais encore perfectible au niveau de la fiabilité. Ajoutez à cela un manque cruel de réussite et vous obtenez une saison à oublier au plus vite. Notre Normand a conscience qu'il est impossible d'empocher un titre tous les ans. Patrice Gohlaert a déjà tourné la page 2011 et prépare activement son programme sportif 2012 qui, c'est certain, le replacera sur le chemin de la victoire. It's all for you, everything I do, it's
tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you light the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Now you do.